Ok, salut les guys, salut salut. Bon, la dernière fois on s'en était arrêté à au début, tout début de la forteresse de notre petit coin de tranquillité où je vais faire ma forge, je vais stacker mes coffres, les armures, la salle des trophées, la salle d'enchantement, enfin bref. Là-dedans il va y avoir tout ça. Bref, du coup j'ai déménagé, comme je l'ai dit, tout ce que je devais déménager. Et maintenant on va partir dans le Nether. Du coup on va y aller ensemble, on va farmer. On va récupérer, j'ai préparé des seaux de lave. On va récupérer un maximum de seaux de lave. Et puis voilà. En espérant que ça se passe bien, que l'aventure ne s'arrête pas là. Ok, bon, je suis attendu. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai fait ça. Lui est terrible en plus. Regardez comme il a la haine. Écoutez, on va lui mettre un coup de pompe. T'as rien fait, wesh. A mis le feu. Il m'a mis le feu. Aïe. Pff, terrible. Putain, ça c'est vraiment la merde. Bon, allez, let's go. J'espère ne pas être attendu. Donc il va falloir descendre. Elle a récupéré de la lave. Farmer un maximum de pierres aussi. Alors il y a eux là-bas là qui mettent le feu aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour descendre tranquillement? Faut que j'atteigne la lave en fait. On va faire un petit escalier hein, je pense. Voilà, let's go. Comme ça on descend comme ça. Ok, nickel. Je suis pile au niveau de la lave. J'entends des bruits de feu et tout, c'est la Hesse. Non! Voilà. Bon, déjà, j'ai récupéré pas mal de lave. Ça c'est pas mal. Ensuite, bah écoutez, ensuite c'est tout hein. On va fermer ça, pas se faire attaquer ici. J'entends du feu là, pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Faut que je farme. Là il y a des ennemis redoutables. Salut, il y a un spawner à ça. Ok. Calmos. Ah non, c'est trop dangereux. Wow. Toi, tu dégages. Eux, ils sont un peu nuls, mais... Faut éteindre les feux, hein. Qu'est-ce que... Pff. Il s'est pas cassé, j'espère ça. Non, c'est bon. Hop, hop, on se calme. Pourquoi il a une sale gueule comme ça, mon portail là? Il me rend fou. Vas-y, je vais creuser, hein. Je vais former. Arrêtez-vous! Bâtard! Oh mon Dieu! Putain, c'est trop dangereux là. Lui, il est giga dangereux là-bas aussi. Vas-y, je peux rien faire. Enfin, je compte manquer Blo à l'entrée du Nether, quoi.
Vas-y, on va creuser, écoute. Ça me plaît pas de rester dans ce... Ça me plaît pas du tout cette histoire de Nether. Ça me plaît pas du tout. Eux là-bas en plus ils me foutent une pression, faut que j'aille les déglinguer. Je peux rien faire avec eux à côté là. Eh ouais, mais je peux rien faire frère, c'est incroyable. C'est incroyable wesh. Dès que je fais un mouvement, je me fais atomiser de partout. Je les one shot, je crois, non? Vite! Voilà, ça c'est fait. Ça aussi, il m'en faut là. Ça m'évitera de les crafter en fait, vaut mieux les farmer. Hein. Bon, je continue à farmer un petit moment, mais je vais pas rester trop longtemps ici, les gars. Sans mon épée, ça me fait quand même. En fait, le truc, c'est que je suis clairement dans une espèce de d'engrenage et de cercle vicieux, vous voyez. Parce que j'ai besoin. Oh, calmez-vous, vous. Hein. J'ai besoin de. Ça m'a fait peur. En fait, j'ai besoin de finir au minimum le premier étage de ma forge. Pour pouvoir enchanter mes armes, être meilleur. Voilà. En gros, ça, c'est un peu le principe. Mais d'un autre côté, tant que j'ai pas mon arme divine, genre vraiment, tout est extrêmement dangereux dans le jeu. Et là, je pense que vous le comprenez, quoi. Je pense que vous le comprenez, que c'est très dangereux. En fait, attendez, je suis con, quoi. Je crois que je suis un peu con, les gars. Parce que j'ai pas besoin de mon arme. J'ai pas besoin de toute ma forge et tout pour l'arme divine. Ouais, non, faut que je fasse l'arme divine. S'ils me veulent, les squelettes là. Je vous défonce, j'ai pas peur de vous. Hein. Parce qu'en fait, le problème du Nether, c'est que c'est ultra dangereux. Parce que tout est enflammé, quoi. Et vu que l'arme divine, elle me protège du feu, un petit peu. Bah ça fait que avec l'arme divine en vrai je suis bien quoi. En plus j'ai une vision nocturne et tout, j'irai 10 fois mieux, j'ai pas besoin de placer des torches de partout. Eh, vous avez la haine contre moi. Bah venez me chercher. Vas-y. Viens. M'a empoisonné ce chacal. What? Bon, ça va. Et en gros, l'objectif du Nether, j'ai de la chance parce que c'est exactement faire ça. Attendez, je vais. C'est finir une forteresse comme ça. Et ça brûle à côté de moi là. Ouais, ça brûle. Bien même. En gros, c'est finir une forteresse comme ça, donc ça c'est déjà une chance d'avoir d'être apparu à l'intérieur. Parce que tu dois en trouver une, en gros, faut imaginer qu'il faut arpenter le Nether pendant, franchement, pendant des heures peut-être, pour en trouver une. Là non, j'ai pas à faire ça. Donc, ça limite au taquet les chances de mourir. C'est déjà bien. Bon bah écoutez, si on se fait pas attaquer, on se retrouve à la maison, hein. Avec du ciel bleu. Ce sera mieux que ici en enfer. Voilà, bon. Bah écoutez, j'ai fait la structure. Maintenant, il manque plus qu'à déposer les seaux de lave. Hein. Tout simplement. En espérant que bon, ça suffira jamais. Je le sais très bien, mais bon. On sait jamais, on peut y croire, non? Voilà, bon, bah écoutez, c'est très dangereux. Hein. Du coup, vous imaginez jouer avec la lave. Il y a meilleur dans Minecraft comme bail. Voilà, ça va être très long et très chiant. Je sais pas pourquoi je me donne des objectifs aussi compliqués. Je sais pas, les gars, je ne sais pas.
Aïe. Bon, bah on a commencé vraiment pas mal là, c'est bon, c'est ça prend forme cette histoire. Oh, j'ai failli me foutre dans la lave là les gars. Ça s'est pas vu mais j'ai failli me foutre dans la lave. Merde, par contre il fait nuit, j'ai oublié ça. Ça va mal finir cette histoire, hein. Ça va mal finir. En fait, j'aimerais bien terminer au moins la lave, quoi. J'aimerais bien terminer la lave avant la fin de cet épisode. Va me falloir taquer droit champus. Tac. Ça, je peux le foutre là. Je sais ce qu'on fout. Non, non. Yes, c'est là. Poudre de blaze. Vas-y, on va le garder, ça. Ça, c'est un petit arc. Non, ça, pas là. Putain, je fais n'importe quoi. Je connais plus mes coffres. Voilà. Bâton de blaze. Bâton de blaze, ok, ça je m'en fous. Ça en vrai, ouais, je vais prendre ça. On protège dans le nether. Wesh. Je peux demander. Me demandez pas ce que je fais, les gars. Demandez pas. Bon, bah écoutez, ça a un peu avancé, je pense que. Voilà, tant pis, hein. Pour l'instant, enfin, ça a même. En fait, c'est fini. En fait, c'est fini, il faut juste que je pose le verre au-dessus. Puis ça ira, je pense. Je pense que ça ira. Donc, pour ça, bah écoutez, voilà. Il n'y a plus que le verre à poser. La lave, elle bouge un peu, c'est ça qui me fait chier. Donc, je finirai ça en off. Et c'est bon, j'ai plus aucun seau là qui traîne, non? Bon, je vais me foutre dans la lave là. On va essayer de se trouver un biome glacé quoi. Alors là les gars, là c'est au petit bonheur la chance hein. Là c'est au petit bonheur la chance. Bon on a fini. Bon, alors déjà, eh ben j'y vais avec Fakin. Ben ouais, je vais y aller avec Fakin, mon pote Fakin. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Fak. Bon déjà on a fini les bases de la forteresse. Donc ça c'est très bien. Là je voulais vous montrer en gros ce que ça donnait, mais en off, je terminerai vraiment la lave là pour que ce soit voilà, pour que ce soit homogène. En gros j'ai un problème avec ça, avec la symétrie. Vous le... On va sortir de là. J'ai un problème avec la symétrie, vous savez. Donc histoire que ce soit tout plat là, comme ici. Eh ben je finirai ça en off, c'est pas grave. Et là bah écoutez les gars, on va commencer à partir à la recherche de givre, de blocs de glace pour pouvoir se crafter une arme divine tout simplement. Et une fois qu'on aura ça, bah écoutez, on sera paré pour vraiment faire tous les défis très durs. Alors, Fakin, j'avais trouvé ça, je vais te le donner. Là, c'est juste pour tout un peu plus stylé. Tiens, Fakin. Tiens, Fakin. Ah ouais, beau Fakin. Allez, let's go. Donne-moi ça là. Ça aussi. Tu seras attaché à ça. La nuit. Allez, on se bat. Faut trouver du coup un biome enneigé quoi. Un biome hivernal. Bon, si on croise des ours, des pandas, des machins sur la route, évidemment, on les flingue. Vas-y, le cheval. Rends pas fou. Putain. Alors là, franchement, j'y vois rien quoi. La moitié de l'écran, je le vois pas. C'est dangereux tout ça. On va découvrir la carte au fur et à mesure. J'espère qu'on. Merde. Merde. Ah, n'y voit rien quoi. C'est incroyable. Ça va me tuer cette histoire de carte. Ça va me tuer. Biome glacé, le truc c'est que je peux mettre 5 minutes à le trouver comme 1 heure quoi. Ah, donc Sempre Hess. Hop là. C'est quoi ça? Un lion. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Rien là. Le lion comme toi.
sur place en fait depuis tout à l'heure. Facochère. Yes. Voilà, tout ça, c'est les petits animaux que je détruis comme ça au calme, hein. C'est pour se faire les fourrures et tout là. Enfin, pour se faire les armures. Pardon. Je pensais pas que ça allait être aussi chiant en fait de se balader avec un cheval. J'ai plus rapide comme ça en ligne droite, mais. Genre là par exemple, j'y vois rien quoi. En vrai, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion, ça va. Voilà, la forêt qui est là-bas, là, impossible avec le cheval. Je vais être keblo toutes les 3 secondes. Vas-y, avance. Il m'obéit pas. Oh, ça bug de ouf. Oh! Les gars, mise à jour! Mise à jour! Et le 2, let's go! Ok, bon, on continue la route. Oh, c'est très bien ce que je vois là-bas, là. Le petit village qui est là. C'est très bien, les gars. Bon, je pense qu'on va aller dans ce village et on va arrêter là. On va arrêter l'épisode ici parce que là. Vas-y, le cheval, il veut pas avancer. Les gars, on s'arrête ici du coup. On aura commencé l'exploration pour trouver ce fameux biome de glace. Bon, évidemment, il y a une jungle à côté, donc c'est pas gagné quoi. Continuera et une fois qu'on l'aura trouvé, on sera vraiment mieux parce qu'on pourra avoir des armes divines. C'est le dernier objectif important, un peu secondaire, avant d'avoir l'arme divine et vraiment de claquer des gueules tranquillement. Vas-y, le cheval, c'est quoi? Non, c'est bon. T'es safe. Bref. Bon, en gros, les gars, on se quitte ici. Fin de l'épisode 13, du coup. On se retrouve dans le 14. On continuera cette seconde expédition. Allez, ciao, guys!